sí. Yendo en contra de tantos secretos, no importa un poco. Será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no esté tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no esté tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma, me encontraste y te encontré, sobre todo te amaré, Rosario. Rends-moi cette chemise et sors d'ici, jeune homme. Monsieur, ne vous énervez pas, voyons. Je voulais simplement l'essayer pour voir si ça m'allait et pour m'acheter la même, c'est tout. Tenez. Merci. Caridad, est-ce que tu sais qu'il est interdit de faire entrer des gens ici qui ne sont pas mes employés, même si ce sont les membres de ta famille? Oui, oui, monsieur, je sais. Je suis sincèrement désolée. Si jamais ça se reproduit, Caridad, tu seras licencié. Toute cette histoire me paraît très étrange, Cécile. Alors quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, c'est trop tard maintenant pour faire marche arrière. Demain, c'est mon dernier jour au cabinet. Mais Rosario, tu n'as aucune raison de te sentir coupable et de laisser gagner Mademoiselle Priscilla. Cécile, je lui ai dit que je ne resterai pas au cabinet avec Alessandro et c'est ça que je veux faire. Mais cette femme t'a menti. Tu es libre de faire comme bon te semble. Cécile, Priscilla était sa petite amie officielle et elle a le droit d'exiger ça de moi. C'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi je t'ai raconté tout ça, tu es vraiment trop bornée. Tu vas t'en vouloir parce que tu auras laissé Alessandro t'échapper. Mais le pire, c'est que tu vas laisser cet homme entre les mains d'une femme qui ne le mérite vraiment pas. Tiens, Eduardo, s'il te plaît, il faut repasser ça à la machine à vapeur, d'accord? Il y a encore des prises, ouais. Merci. Je t'avais dit que tu allais me causer des problèmes, pas vrai? Et tu as vu? Mon patron a menacé de me renvoyer la prochaine fois. Bon, mais maman, n'aie pas peur. Et puis, il ne trouvera jamais de remplaçante aussi facilement. Cet homme est en train de se tromper s'il croit qu'il trouvera une femme aussi travailleuse que toi. Oh Nacho, écoute. Tu feras mieux de rentrer à la maison. Et je t'y retrouverai dès que j'aurai terminé ici. Oui. Allez hop. Mais avant... Allez, dépêche-toi. Du balai. Maman, et pour la chemise? Non, mais quelle chemise? Tu es malade? Va-t'en. Tu manques de me faire perdre ma place et tu t'en moques? S'il te plaît, la chemise, maman. Ni s'il te plaît, ni rien. Rentre tout de suite à la maison. N'oublie pas la chemise. Je t'aime. Ce garçon finira par me tuer. Ah, papa, c'est formidable que tu aies réussi à convaincre le juge de permettre à cette famille de rester aux États-Unis. Priscilla a tout à fait raison, tu es le meilleur avocat de toute la Terre. Merci, ma chérie. Mais en réalité, c'était un travail d'équipe. Esteban et Rosario ont participé, eux aussi. Non. Non. Si tu n'avais pas autant de talent et autant d'expérience, ces clandestins auraient été renvoyés dans leur pays. C'est vrai, mon fils. Quoi que tu en dises, chérie, n'essaie pas de minimiser ton rôle parce que pour nous, tu es le meilleur. Et c'est pour cela que je voudrais porter un toast à l'excellent travail de notre grand maître Montalban. Santé, mon Santé. Amour. Santé. Félicitations. Santé. Santé. Et vive Rosario! C'est l'heure de porter un toast. La personne qui manquait est arrivée, alors. Félicitations. Rosario! Tu es radieuse, ma chérie. Merci. Maintenant, un peu de musique pour danser. Allez, envoie la musique. Allez, vas-y. Quisiera olvidar. Viens danser, Cécile. No Rosario, allez, viens. C'est pour toi. Que te extraño, mi amor. Quisiera dormir y ya despertar. Que estemos juntos los dos. Me siento morir cuando tú te vas. C'est parfait. Ok, on se voit demain. Et comment ça se passe avec ton petit ami, Barbie? Grand-mère, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Rodrigo est vraiment génial.
Il m'a emmené dîner dans un restaurant merveilleux hier soir. Oui, au revoir. Il est très gentil et c'est un vrai gentleman. Tu sais quoi? Je me demande vraiment ce que l'avenir nous réserve à tous les deux. Vraiment? Eh bien, figure-toi que je connais un astrologue. Il est excellent. C'est vrai? Oui. Si tu veux, je peux l'appeler pour te prendre un rendez-vous. Oui, avec plaisir, Priscilla, bien sûr. Merci beaucoup, t'es trop géniale. Il ne fait aucun doute que ma nièce mérite ce qu'il y a de mieux. Je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je n'arrête pas de lui dire qu'il faut qu'elle se batte pour l'amour de son patron. Mais bon, elle ne m'écoute pas non plus. Pourquoi tu n'essaierais pas de lui parler? Elle t'écoutera, toi, c'est sûr. D'accord. Je peux essayer. Dis-lui de venir me voir. Vous savez, aujourd'hui, j'ai appris une chose que vous devriez savoir. Quoi, ma chérie? Mademoiselle Priscilla a fait semblant de se suicider. C'était un piège. Bon, je vais appeler Sully pour qu'elle m'accompagne demain chez l'astrologue. Ok. Merci beaucoup pour tout, Priscilla. Je t'adore, t'es géniale. Toi aussi, princesse. Priscilla, pourquoi tu l'encourages à croire des niaiseries pareilles? Non, pour moi, ce ne sont pas des niaiseries. Je fais confiance en cet astrologue, vraiment. Oui, mais moi, je ne crois pas du tout au destin, tu vois. Et encore moins aux personnes qui disent le connaître. Je ferais mieux d'aller lire dans mon bureau. Maman, je viendrai te souhaiter la bonne nuit plus tard. Bonne chance demain pour ta conférence. Merci, mon chéri. Excuse-le, il est très certainement épuisé à cause du procès. Ce n'est pas bien grave, ma reine. Je sais ce que j'ai à faire pour le récupérer. À propos, je vais avoir besoin de ton aide pour quelque chose de très important. Et quel est ton plan exactement? Le procès est fini, donc Rosario va quitter le cabinet. Il faut donc que j'agisse rapidement si je veux reconquérir le cœur d'Alessandro. Mmh. Tu es d'accord? Oui. Oui. Ah, nous sommes tous très fiers de toi, ma chérie. Et surtout moi, ma fille. Maman, tu sais que ma plus grande récompense est de t'entendre dire ça. Viens, j'ai quelque chose à te dire. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Ceci nous a tout raconté à ton oncle et à moi, à propos de la fausse tentative de suicide de cette mademoiselle Priscilla. Tu n'as donc absolument aucune raison d'abandonner ton travail et l'amour de ton patron. Je sais, maman, non, mais c'est... Non, Rosario. Je t'ai déjà dit que pour ton bonheur, tu devais te battre. Et pour l'amour de cet homme, ma fille, quoi qu'il se passe, je te soutiendrai toujours. Regardez qui est là. Mon oncle. Rosario, ça me fait plaisir de te voir. Entre, vas-y, je t'en prie, entre, assieds-toi. Mon oncle, je vais avoir besoin de tes conseils. Je suis complètement perdue. Je le sais, Rosario. Et compte sur moi pour faire mon maximum pour t'aider. Bonjour, maître Montalban. Bonjour, Cecilia. Je voulais vous féliciter pour le procès d'hier. Rosario était très heureuse. Quand les voisins l'ont appris, on a tous organisé une grosse fête pour elle. C'est bien. Elle le mérite largement. C'est une juriste très compétente. Elle me manquera beaucoup quand elle ne sera plus là. Et vous lui manquerez aussi, maître. Beaucoup. Pourquoi me dis-tu ça? Non, juste parce qu'elle m'a dit qu'elle se sentait très bien avec vous dans votre cabinet. Mmh. Elle aime rencontrer de nouvelles personnes et leur parler. Ouais. Elle se sent parfois un peu seule dans le quartier. Mais elle a un petit ami, n'est-ce pas? Non. Pas pour autant que je sache. Bon, je dois y aller. C'est l'heure des médicaments de votre mère. Oui, bien sûr. Je savais que ce n'était qu'un mensonge. Elle n'a pas de petit ami. Le Seigneur n'accepte pas les mensonges, Rosario.
Pourquoi as-tu dit à ton patron que tu étais avec Nacho ? Mon oncle, eh bien, c'est juste que je ne voulais pas qu'il continue à m'aimer. Je suis convaincue que notre histoire est impossible. Eh bien, peut-être qu'avant, c'était le cas. Mais là, c'est différent. Cette mademoiselle Priscilla a fait semblant de tenter de se suicider. Et pour cela, elle ne mérite la compassion d'absolument personne. Et encore moins la tienne. Son unique intention était que tu te sentes coupable de ses actes stupides. En plus, elle t'a fait du chantage, Rosario. Mon oncle, mais alors, ça veut dire que toi aussi, tu crois que je devrais me battre pour l'amour de mon patron ? Bien sûr que oui, évidemment. Rosario, c'est évident. Tu t'es toujours bien comporté toute ta vie. Alors si cet homme t'aime, tu as le droit d'être avec lui, la conscience tranquille. Mon oncle, ça veut donc dire que Dieu aussi me donne sa bénédiction ? Bien sûr que oui, Rosario. Naturellement. N'oublie pas que c'est grâce à Dieu que tu as croisé le chemin de cet homme et que vous êtes tombés amoureux. Ma reine, bonjour. Où est Alessandro ? Il prend son petit déjeuner. Bon, souviens-toi que tu dois faire tout ton possible pour le retenir à la maison un maximum de temps. Donne-moi au moins une heure. Tu peux compter sur moi, ma chérie. Et si tu vois Barbie, s'il te plaît, dis-lui que j'ai appelé l'astrologue et qu'il est en vacances. Par contre, j'ai laissé un message pour elle. D'accord, chérie, d'accord. Au revoir. Merci, ma reine. C'est l'heure de vous cacher, madame. À propos, jeune fille, s'il te plaît, je voudrais que tu appelles le docteur pour qu'il me prescrive un autre médicament qui ne me donne pas des maux d'estomac. Bon, d'accord. Je lui en toucherai un mot. Bonjour, ma petite mamie. Bonjour, mon trésor. Comment vas-tu ? Très bien, grand-mère. Et toi, est-ce que ça va ? Moi aussi, je vais bien. Bien. À propos, Priscilla vient de m'appeler et elle m'a dit que son astrologue était en vacances. Oh non, comme c'est dommage. Moi qui voulais absolument connaître mon avenir avec Rodrigo. Oh. Enfin, de toute façon, Sully ne pouvait pas venir. Elle est partie quelques jours en vacances avec ses parents. Bonjour. Bonjour, mon bonjour, fils. Bonjour, papa. Bonjour, ma fille. J'allais partir. Je vous aime. Bonne journée. Au revoir. Moi aussi, je pars au bureau. Quoi, comment ça ? Mais tu viens à peine de descendre pour prendre ton petit déjeuner. Oui, j'ai juste pris un café. Je t'appelle plus tard pour prendre de tes nouvelles. Mais... Maman, qu'est-ce que tu as ? Ma jambe me fait mal. C'est atroce. C'est atroce. C'est atroce. Cécile, appelle le docteur Carbajal, s'il te plaît. C'est ça, appelez le docteur, oui. Oui, calme-toi, calme-toi, maman. Mon fils, s'il te plaît, ne t'en vas pas. Doucement, doucement, maman, doucement. Est-ce que son téléphone sonne ? Bon, alors, dis-moi, tu as parlé à Rosario ? Oui, Caridel. Et alors ? Tu as réussi à la convaincre de ne pas démissionner et de continuer à se battre pour l'homme qu'elle aime ? Eh bien, je ne sais pas si j'ai réussi. J'ai discuté avec elle, je lui ai donné un conseil. Je lui ai dit d'aller en parler à Bernardo. Mais après, je n'en sais pas plus. Je te jure que je ne sais pas comment tu fais, Nacho. Mais tu as réussi à faire croire à cette fille que tu es psychologue. Et que ça, c'est ta voiture. Écoute, Felipe, dans la vie, il faut savoir y faire. Oui, mais je te jure qu'un jour ou l'autre, ta chance tournera. Non, 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 non. Ce n'est pas de la chance, c'est de l'expérience. Toi aussi, tu peux faire croire aux gens ce que tu veux sur toi. Le secret, c'est d'être convaincu toi-même de ce que tu dis. C'est simple. Après, ça roule tout ça. C'est simple, c'est toujours. Ah, comment ça va, Ceci ? Et comment ça se passe avec ma grand-mère ? Ça se passe plutôt bien. Elle m'a juste fait peur tout à l'heure. C'était horrible. Apparemment, elle a une grosse douleur à la jambe. Le docteur a dit que c'était sûrement un spasme musculaire. Mais heureusement, elle va mieux maintenant. Ah, Ceci, tu sais quoi ? Ne fais pas attention. Elle adore en rajouter pour attirer l'attention de tout le monde. Bon, je te laisse. Je vais bronzer un peu avant la répétition. Je participe à un concours de beauté, alors tu vois, il me faut un joli bronzage. Bon, à plus, Ceci. Barbie ? Oui, 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 quoi ? Si tu veux vraiment connaître ton avenir, je connais quelqu'un qui peut t'aider. T'es sérieuse ? C'est une femme qui habite dans mon quartier. Elle s'appelle Caridad. C'est une spécialiste. Alors, est-ce que tu peux l'appeler et demander un rendez-vous pour moi maintenant ? Mais je ne peux pas laisser ta grand-mère toute seule. Ah, t'inquiète pas, je vais lui parler. Viens, viens avec moi. Félicitations !
Félicitations, maître. Merci, Christina. Félicitations, associé. Regarde, il y a quelqu'un qui t'attend. Félicitations à tous les deux. Félicitations. Merci. Vous méritez tous les honneurs parce que je sais que vous avez tous les deux travaillé très dur pour remporter cette affaire. Merci. Encore une fois, merci beaucoup, maître. Nous vous remercions du fond du cœur. C'est un plaisir de vous voir ici. Maître, je voudrais encore vous remercier et vous souhaiter bonheur et santé ainsi qu'à tous les membres de votre famille. Merci, c'est très gentil, madame Sylvestre. Alors, champion, tape là. <C'est bien. rire> Mais quel beau petit garçon. Hein? Il est adorable. Je suis vraiment désolée pour sa maladie. J'espère qu'il guérira bientôt. Merci beaucoup, madame. Merci. Alessandro, j'espère que tu ne m'en veux pas c'est d'avoir organisé cette petite réunion pour fêter ta victoire. Je te jure que j'ai fait ça avec tout mon cœur. Tu t'es donné beaucoup de mal, mais ça fait plaisir. Tu le mérites. S'il vous plaît, tout le monde, j'aimerais porter un toast à Alessandro, tellement brillant, et évidemment à son excellente équipe. Santé. Rosario, salut. Ah, il nous faut un verre pour Rosario. Je m'en occupe, mon amour. Maître, je... Rosario, on discutera plus tard. Pour l'instant, fêtons notre victoire. Alessandro. D'accord. Bon, d'accord. Je vous le ramène tout de suite. D'accord. Bonjour, comment allez-vous? Le petit, comment va-t-il? Rosario. Merci. Je peux... Allons-y, madame. ...savoir ce que tu fabriques ici? On a passé un accord? Qu'est-ce que tu veux encore? Que j'essaye encore une fois de mettre fin à mes jours? Alors, elle est belle, hein? T'en penses quoi? Non, pas mal, non. Il est parfait. Le docteur n'y verra que du feu, crois-moi. Bon travail. Hein? Bien, ça te dit qu'on aille chez ma mère pour manger un morceau? Pourquoi, tu as faim? Non, mais c'est une bonne manière pour faire une pause, non? Maintenant, c'est à moi de porter un toast. J'aimerais dire à Rosario combien son aide a été précieuse. Ah, mais maître, s'il vous plaît... Si tu n'avais pas insisté, nous n'aurions jamais défendu cette famille. Parce que, pour tout vous dire, nous avions oublié ce que c'est d'aider son prochain sans attendre d'argent ni de gloire en retour. N'est-ce pas, Esteban? Oui, oui, je suis tout à fait d'accord, associé. Merci infiniment de nous avoir rappelé le rôle d'un avocat. Et par-dessus tout... Merci de m'avoir rappelé à moi que mon rôle est de défendre tous les hommes de la même manière. Applaudissons-la, s'il vous plaît. Félicitations, mademoiselle Teresa. Rosario, j'espère que tu trouveras vite un nouveau travail. Elle s'en va? Oui, je vais vous raconter. Venez. Apparemment, ton plan a foiré quelque part, Priscilla. Bonjour, Caridad. Voici la jeune fille dont je t'ai parlé au téléphone. Bonjour, enchantée, madame. Je m'appelle Barbara Montalban, mais tout le monde m'appelle Barbie. Ah, ravie, mademoiselle. Entrez, entrez. Barbie est la petite fille de la femme que je soigne et la fille de l'avocat qui m'a engagée. Ah, donc vous êtes là parce que vous voulez que je vous tire les cartes? Ah oui, madame. Figurez-vous que je sors avec un garçon que j'aime beaucoup et je voudrais savoir ce que l'avenir me réserve avec lui. Je vous la laisse et je reviens tout à l'heure. En okay. Attendant, je vais passer voir mon père au garage. Au revoir, Ceci. Asseyez-vous à table, mademoiselle. Je vais chercher les cartes. Merci beaucoup. Alessandro, sincèrement, tu mérites toute la réussite du monde. Merci, Teresa. J'y vais. Salut. Ok. Maître, un journaliste est là et demande à vous voir. Un journaliste? Je t'assure, Alessandro, je n'y suis pour rien. Tu n'as qu'à lui dire qu'Alessandro est très occupé. D'accord. S'il te plaît, fais-moi une faveur. Qui mieux que toi réussirait à le faire partir? Compte sur moi, mon amour. Merci. Je reviens.
maître. J'aimerais vous parler un instant, dans votre bureau. Oui, bien sûr. Hé, hey, Nacho, ce ne serait pas la voiture de ta copine ? Si, qu'est-ce qu'elle fait ici ? Oh mon Dieu, c'est pas vrai ! Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Partagez les cartes en trois paquets avec votre main gauche. Non, la main gauche. Désolée, c'est celle-là, non ? Bon. Hop. Et hop. Très bien. Toujours avec la même main, choisissez maintenant un des trois paquets. Alors, celui-là, celui... Vous savez quoi ? Je prends celui-là. Maintenant, voyons. Pour mon passé, pour mon présent et pour ce qui va se produire dans mon futur. Voyons maintenant ce que votre avenir vous réserve. Hé, hey, tu dois partir. Mais c'est toi qui m'as fait venir. Oui, je suis au courant. Mais je te jure que tu arrives au pire des moments. Mais le plus important, c'est que tu sois venu et que je te renvoie juste... pour me faire bien voir d'Alessandro. Tu changeras jamais, Priscilla. Et toi, tu ferais mieux de t'estimer heureux. Mais pourquoi ? Parce que je te réserve l'exclusivité de mon mariage avec Alessandro. Je te le promets. Sérieux ? Oui. Regardez, ça c'est vous. Ok. Et là, c'est un homme qui vient juste d'apparaître dans votre vie. Ah, oh, c'est sûrement Rodri. Cet homme apparaît vêtu de soie, mais son âme est pauvre. Oui, il s'habille toujours avec classe. Mais c'est quelqu'un de très simple dans sa tête et il a beaucoup de cœur. Vous voyez quoi pour mon avenir avec lui ? Mais alors, qu'est-ce qu'il y a ? Mademoiselle, en fait, je ne comprends pas bien ce que peut vouloir dire cette carte. On dirait que cet homme est... Oh non, 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 me dites pas qu'il y a un problème avec Rodrigo parce que j'en mourrais. Je vous ai dit que je démissionnais et que je repasserai ici pour prendre mes honoraires. Oui, 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 oui. Et je suis d'accord, Rosario. Bien sûr, évidemment. J'accepte ta décision de quitter le cabinet. Oui, non, mais je voudrais s'il te plaît, avant que tu ne partes, je veux que tu saches que ce matin, j'ai discuté avec ton amie Ceci et elle m'a confirmé que tu n'avais aucun homme dans ta vie. Mais je n'insisterai pas. Je ne suis pas en mesure de te dire de rester parce que, dans ce cas, il te faudrait accepter d'être à mes côtés. Et de m'entendre te dire que tu es la femme la plus merveilleuse que j'ai rencontrée. Et aussi que je ne peux pas, je n'arrête pas de penser à toi. En plus de ça, il te faudrait me laisser te prendre dans mes bras. Et te dire que je t'aime, Rosario. Je sais que tu m'aimes aussi. Et j'ai l'envie irrésistible de t'embrasser encore. Será mejor besarte así. Mon amour.